toutes ces émissions, vous avez été fidèles, on vous remercie beaucoup. On a un nouveau plateau, comme vous pouvez le découvrir. Une nouvelle saison qui s'annonce et qui va être plutôt pas mal. Et une saison plutôt pas mal et un plateau pas mal, ouais, je pense. Quand même, on a mis quand même pas mal de moyens. Et on voit les yeux éberlués de nos invités qui disent « Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. » Et on a la chance, ouais, d'accueillir quand même deux invités de marque. Merci déjà de venir. Bonjour Alexandre. Salut Marcel. Ça va? Oui, ouais, très bien. Pas trop stressé? Non, ça va le faire. Bah écoute, on est bien entouré, donc c'est cool. Ah bah là, j'espère, en tout cas, ouais. Petite boisson. Si tu as envie, petit bonbon, parce que maintenant, on est en physique. Donc on est très très content de vous avoir. Et toi Pierre-Olivier, comment ça va? Bah très bien, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci pour nous avoir invités, en tout cas. Et puis, c'est mon premier Switch, donc... Ah là là. Avec grand plaisir que je fais avec vous. Le premier live, c'est toujours quelque chose d'important. Exactement. On est là pour... Pas live, non, mais le premier talk. Le premier talk. Autant pour moi, le premier. C'est un talk live, on est en physique, mais on est en même temps en direct sur Twitch, c'est quand même pas mal. C'est vrai, c'est très sympa. Et du coup, merci à tous d'être présents. N'hésitez pas à lâcher des petits emotes dans le chat, nous, ça nous fait toujours beaucoup rire après de revoir tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser votre question dans, ouais, tout le live, parce qu'on est quand même là pour répondre justement avec nos invités. Bien sûr. Bah, un petit peu à tout ça. Et bah déjà, merci quand même à WeVoo et à Gentlemania pour un petit peu l'organisation, parce que quand même, c'est plutôt pas mal ce qui a été fait derrière pour cette saison 2 de, ouais, After et avoir quelque chose d'hyper cool. Top. On va se lancer, je pense, dans une présentation de nos invités, messieurs. Mais on a une petite surprise. Les anciens connaissent le tac au tac. Cette année, on lance une rubrique qui ressemble à les amours, disons. on cherchait quelque chose d'assez sympa. On va apprendre à vous connaître. Et donc, de toute façon, on lance le tac au tac. Hop. Hop là. On a du matos de qualité. On a du matos de qualité quand même. Hein. C'est impressionnant. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Hop là. C'est bien. Tiens, okay. Hop. Ah là là. On se retourne sur les bancs de vos enfants. Si je suis papier Olivier, ça te rappelle. Je l'ai même à la maison. T'as les mêmes à la maison. J'ai les mêmes. Alors, on commence. Bah, en fait, le principe, c'est que justement, Alexandre, on va te poser des questions sur Pierre-Olivier, et Pierre-Olivier, on va te poser des questions sur Alexandre. On va voir qui connaît le mieux qui, quand même. Est-ce qu'il y aura un petit clash? Et après, on enchaînera sur une petite présentation. On a fait des questions un petit peu sur moi. Qui veut commencer, messieurs? Alexandre? Très bien. Alexandre, tu démarres. Vas-y. Je commence. Vas-y. Alexandre, on va essayer de mieux connaître Pierre-Olivier. Tu n'as pas de Véleda. Alors, hop, c'est moi qui t'ai pris. Merci. Désolé. Allez. Alexandre, sais-tu au sein de quelle entreprise Pierre-Olivier a démarré dans le produit? Ouais, écrivez tous les deux, comme ça on va voir justement. Le chat peut essayer de deviner sans aller sur LinkedIn. Sinon c'est de la triche. Alexandre branche le portable. C'est parti. 3, 2, 1. Auchan. C'est Auchan. Digi. Digica, ouais, c'est l'entreprise que j'ai montée, simplement. Oui, c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment faire du produit, je pense. Génial. T'avais pas du tout d'expérience dans le produit, t'es tombé dedans à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Non, j'ai toujours fait beaucoup de conception, utilisateur, okay, de l'UX, et à un moment, tu te lances vraiment dans la construction d'un produit. Et c'était l'occasion avec l'entrepreneuriat de me lancer vraiment là-dedans, donc c'est pour ça que... Génial. Ensuite, t'es allé chez Auchan? Et après l'aventure entrepreneuriale, effectivement, je me suis dit plutôt que partir d'une feuille blanche, je vais partir d'un endroit où il y a justement beaucoup de volume, et c'est comme ça que j'ai rejoint Auchan. Donc Alexandre était vraiment pas loin. Ouais. Produit e-commerce, moi je reste. Produit e-commerce. Vas-y. Alexandre, à ton avis, donc Pierre-Olivier est naturellement le CPO, c'est vrai, de PrestaShop, on ne l'a pas dit, mais vous le savez probablement. À ton avis, qu'est-ce qu'il aime le plus dans son métier? Ah, la réflexion. Et la réflexion des deux côtés ou pas? Pierre-Olivier, il dit bon boss. Après, on verra dans le sens inverse. Est-ce que c'est réciproque? Vraie réflexion. Ah ouais. Là, ça. En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à intervenir. Si vous avez, ouais, des petites remarques, mettez des emotes, posez plein de questions. On est là pour ça. Si vous êtes de PrestaShop, vous pouvez aussi poser des questions. Heureusement, on voit des hello Alex, hello Violette, hello tout le monde, hello Alex. Salut, je sais pas si c'est pour moi, mais je prends. Du coup, beau duo. Oh, on vous trouve quand même plutôt beau. C'est déjà pas mal. Il y a deux duos. On a deux duos. Ah, de qui on parle? De qui on parle? Je, okay, pense que c'est pas de nous. Allez-y, 3, 2, 1. User feedback, inspirer l'équipe produit. J'ai commencé par ça.
Et je l'ai enlevé après et je suis passé là-dessus, tu vois. Donc tu vois, on est sur la même ligne. C'est deux sujets majeurs, aussi bien l'user que l'équipe. Et effectivement, le user feedback maintenant, c'est l'équipe qui le fait quelque part. Ouais. Et puis moi, je suis là pour inspirer l'équipe, pour aller chercher ce user feedback et pour améliorer nos produits. Top. Et tu peux dire peut-être un petit peu depuis combien de temps, toi, tu fais ce job finalement chez PrestaShop et est-ce que finalement, ces deux sujets, ils sont entremêlés? Est-ce que tu as commencé peut-être d'abord, tu t'es dit, je vais arriver, je vais inspirer l'équipe produit, puis j'ai insufflé une vision user-centrique. Comment ça s'est passé un peu? Ouais, bah exactement. Bah c'est bah PrestaShop. Il y avait déjà une équipe produit qui était en place, qui avait été effectivement insufflée par la personne qui était là avant moi. Ouais. Et donc tout l'enjeu effectivement, ça a été de continuer à partir de ces fondations. C'est comme ça que j'ai toujours perçu, c'est que PrestaShop était prêt à développer vraiment une culture produit, mais une culture produit qu'il fallait vraiment faire grandir. Et donc ouais. Donc ça passe bien sûr par les user feedback, mais beaucoup d'approches, finalement, de processus, de méthodes. Okay. C'était le fond. Et le point de départ, finalement, avec l'équipe, ça a été de résoudre ces problèmes. Okay. Hein, et que la démarche, ça rejoint là-dessus. C'est avant tout résoudre les problèmes. Et les problèmes de l'équipe, pour qu'elle puisse se sentir au mieux et répondre au mieux ensuite. Top. Aux besoins des utilisateurs. Voilà. C'est une très belle réponse. Alexandre, tu t'es trompé pour l'instant. Pour l'instant, c'est un 0 sur 2. Mais ce n'est pas grave. Et on termine. On réglera ça plus tard. Damien, dernière question, très concret. Quelle est l'application préférée de POC? De Pierre Olivier. Non, mais au contraire. Ah. Est-ce que tu es un grand fan d'application déjà? Ça va être PrestaShop les deux. Au moins. Non, parce que PrestaShop, enfin. Vas-y. Un, deux, trois. Non, c'est Shopify. Shopify. Hein, Spotify. On y était presque. Attends, c'est génial. Ah, parce que et il fait la. Il la fait toujours. Tu l'as fait toujours. Je parle de Spotify, de Shopify, qui est forcément dans notre métier, voilà. Et à chaque fois de citer Spotify. Voilà. Toujours Spotify à la place de Shopify. Donc là, bien sûr, je voulais dire. Évidemment. Spotify. Et voilà. Donc tu as c'est voilà. Brain. Brain. Exactement. Et Pierre-Olivier connaît bien notre environnement concurrentiel. Ah, c'est fort, c'est fort. Ça commence bon. Déjà les petites taquineries. Et maintenant, on va faire l'inverse. Pierre-Olivier, monsieur. Est-ce que tu connais bien Alexandre? Pierre-Olivier. On va bien rigoler. On le garde pour notre bonheur, ça. Ouais. Quelle est la plus grande fierté d'Alexandre chez PrestaShop? Sans réflexion. On voit un petit peu de suspense quand même. Est-ce que l'amitié va se briser aujourd'hui ou pas? Je dis ça, je dis rien. Moi, si on faisait ça avec Louis, on serait tellement bon qu'on aurait à peu près zéro chacun. Mais. C'est toi ma plus grande fierté. Mais je sais, mon Dieu. C'est magnifique, ce qu'on me fait pleurer. Je vois messieurs. Que Alexandre est prêt. Pierre-Olivier? Ouais, je. Il fait un paragraphe. En fait, hein. Ici la voix. Le recrutement de discipline il y a quelques années. Hop. Tac, c'est une phrase, hein, du coup. Visiblement. Phrase, d'accord. Hop. Donc, c'est lisible. Permettre à l'écosystème. PrestaShop de toujours grandir. De toujours grandir. Ouais. Alors, j'ai fait comme toi. Transformer. Exactement. Faire grandir l'entreprise, la transformer et faire grandir l'équipe dans tous les sens du terme. Donc, c'est ma fierté. Chez PrestaShop. Ok. Et effectivement. Bah, c'est un beau miroir avec le coup d'avant. Exactement. Ouais. Exactement. Et parce que quand tu es arrivé, vous étiez combien? Qu'est-ce qui a changé finalement depuis que tu es arrivé? Quelles sont les modifications, peut-être la modification majeure que tu as pu apporter en tant que CEO? Bon, il y en a eu plein, mais je pense que la modification majeure, c'était de reconstituer une équipe et de la rendre fière d'être chez PrestaShop et puis de transmettre ça aussi à notre écosystème, à notre communauté. Okay. On était à peu près une petite centaine, maintenant on est 200, donc c'est aussi beaucoup belle de. Ouais, une belle croissance, mais on a fait ça grâce à l'équipe. C'est cool. D'ailleurs, on a un ancien Weavers ouais. qui est chez vous et qui s'y plaît beaucoup. Donc, salut Samuel. On espère que tu es sur le chat parce que sinon, on va t'en tirer. On pas toute la journée. N'hésite pas à tirer d'autres personnes. Pas de chez Weavers, s'il vous plaît. On va les garder, les Weavers. Pierre-Olivier. Quel est le plus gros défaut d'Alexandre? Là, hop là, la petite bombe! On est là. La bombe dans le débat. Non mais après, nous, on ne veut pas mettre lui on sur le feu. On est bienveillants ici.
On a le droit de rigoler, hein. On est là pour ça. On est là pour ça. Je pense que Alexandre est en sueur en ce moment. Qu'est-ce qu'il va dire sur moi? Il écrit une phrase aussi. Ce moment de réflexion est absolument génial. Parce que c'est de l'introspection quand même, c'est plus facile de dire les qualités et les défauts des autres. Toi Louis, quel est mon plus gros défaut finalement? Tu parles trop. J'ai déjà un allié. Alexandre. 3, 2, 1, let's go. Monsieur... Ah, c'est bon. J'étais un peu plus fort que toi. Exactement. Ok, ça vanne, ça vanne. C'est frontal. Trop de plus. C'est une blague qui revient souvent, mais c'est ça a apporté énormément aussi beaucoup. Donc, c'est la bière de trop, hein, on y est. Hein. De plus. Jamais de trop. Il faut barrer trop. Donc. C'est ça, exactement. Pousser à la bière de plus. Ok. Ok, d'accord. Donc bonne réponse. Donc, quand tu dis monsieur plus, ouais, c'est par rapport à ça, ouais, la bière. C'est un surnom peut-être qui naît ou non, je sais pas. Monsieur plus. J'ai de qui te venir. Et dernière question. Quel est le hobby caché d'Alexandre? Caché, je sais pas, mais le hobby... Ouais. Boire de la bière, du coup. Bah, ça s'est déjà dit, donc... En tout cas, on a un Alex Darmon qui dit que vous êtes les plus fiers, c'est des équipes. Donc, je pense que vous êtes plutôt bien. 3, 2, 1... Allez-y. Allons-y. Ouais. Ah, on voit que Pierre-Olivier, quand même, a un petit, je crois, 3 sur 3. Un petit niveau. Ah. Bravo. Bah, le premier point, ce sera le même pour Alex. Ouais, c'est 2,5. Bon. En tout cas. Donc la BD, quand même. Exactement. C'est une passion, c'est... C'est une passion. Je sais pas si j'ai une passion, mais en tout cas, c'est plein de moments, plein d'achats impulsifs, donc quasiment une passion, effectivement. Et c'est beaucoup de placards, beaucoup de bibliothèques et une vraie passion effectivement en fait pour la BD dans tous ses états. Donc, et ravi de faire partager ça aussi à l'équipe. Ce que j'allais dire, c'est que du coup, à travers la BD, tu peux passer des messages et du coup, Alex en profite pour nous faire passer des très bons messages. Donc c'est un bon médium. Intéressant. Prenons-en de la graine, un peu. Toi, tu es plutôt manga et tout ça. Moi, je suis un peu plus manga. On voit d'ailleurs quelques petits... Ah ouais, manga, comics. La totale. Bon. Très chouette. On a vu un petit peu, vous en surface, mais est-ce que vous voulez pas un peu vous présenter, justement, Alexandre, qui es-tu? Présentons un petit peu, justement, à nos spectateurs sur Twitch. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que quand même, tu es CEO de chez PrestaJob, donc quand même... C'est ça, attention. Je suis Alexandre Amumi, directeur général de PrestaShop et ravi d'être là ce soir pour parler produits, pour parler PrestaShop, mais aussi pour vous partager le fait que ça fait 5 ans que je suis chez PrestaShop, 3 ans et demi en tant que directeur général et toujours aussi fier, engagé pour la croissance de nos marchands. C'est ce qu'on fait chez PrestaShop. Notre métier, c'est d'accompagner des entreprises dans leur croissance et notamment dans la digitalisation de leur vente. Et on est très fiers de pouvoir le faire non seulement au sein de l'entreprise, avec toutes les équipes, mais aussi avec un écosystème qui est large, qui est composé d'une communauté de contributeurs open source, de partenaires technologiques dans le domaine du paiement, de la logistique, du marketing, de développeurs de modules, d'agences, de freelance, d'experts qui vont accompagner ces entreprises pour leur croissance. Et c'est un vrai bonheur de travailler au sein de Presta et avec cette diversité de marchands qui va du premier vendeur de pièces détachées de 4L à Magimix en passant par Decathlon où on en parlera peut-être parce que il y a des posters, il y a aujourd'hui ou récemment on a libéré Britney Spears, le premier vendeur de posters Britney Spears sur PrestaShop et on est fiers de ça aussi. D'accord. C'est cette diversité là et ce dans tous les pays du monde, donc c'est aussi une grande fierté. Ça fait plaisir de t'entendre parler comme ça, effectivement, de l'entreprise. Donc, toujours la même passion 5 ans après. Complètement. Et d'ailleurs, il y a un moteur qui a grandi et du carburant aussi qui arrive et qui va nous permettre de continuer à accélérer. Donc, on est content d'entrer dans une phase continue en fait, de développement avec des sujets passionnants. Je pense qu'on en reparlera sur la partie produit. Cool. Génial. Super, super présentation. Ah, c'est à mon monsieur cœur. Cette passion, en fait, elle est endémique de PrestaShop. C'est vraiment
une entreprise et une communauté qui est passionnée. Passionné par l'e-commerce, passionné par le digital, passionné par le développement, passionné par énormément de choses. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir, d'avoir rejoint cette équipe. Ben, moi, ça fait effectivement une grosse année et demie. Ouais. Donc c'est encore tout jeune. Mon métier à moi, ben, c'est effectivement la direction du produit. La direction du produit, c'est améliorer l'expérience actuelle de l'ensemble des populations qu'on touche. Donc comme Alexandre les a décrit, on travaille pour des marchands à la finalité. Mais ces marchands sont accompagnés d'agences et de prestataires qui les accompagnent dans l'évolution de leur e-commerce. Ces marchands s'appuient sur des solutions technologiques qu'on développe nous-mêmes, que l'écosystème propose. L'écosystème, ce sont des éditeurs indépendants, des grandes solutions technologiques. Donc ça fait une richesse finalement de personas et de populations qu'on adresse à travers l'ensemble de nos parcours. Qui est fantastique en fait. PrestaShop, l'écosystème produit PrestaShop, c'est pas un produit, c'est pas une suite de produits, c'est un écosystème au sens large, ce qu'on appelle une plateforme. Ouais. C'est même plus qu'une plateforme en fait. Donc du coup, c'est assez formidable. Et puis derrière tout ça, PrestaShop, c'est une entreprise qui a 14 ans, je me trompe toujours, donc je pense que j'ai oublié quelques années, mais c'est pas très grave, et qui est née dans un monde qui n'existe plus aujourd'hui. J'aime bien le dire comme ça. Donc, il y a un vrai sujet de transformation d'entreprise qui a été initié par Alexandre il y a quelques années et qu'on a pu accélérer avec toute l'équipe qui nous a rejoint et qui touche tous les fondamentaux du produit. Donc, c'est assez magique de pouvoir opérer cette transformation et de faire grandir toute une entreprise pour mieux servir nos marchands. Ouais, et puis en plus, c'est vrai que vous êtes au cœur, vraiment, enfin, tu parles de produits digitaux, là, vous en construisez tout ce qui est site e-commerce, tous les sites e-commerce que vous générez, finalement, ça devient des produits. Et qui s'appuient sur des centaines de produits, en fait. Ouais. Finalement, tu vas du paiement au shipping, au template, à la solution marketing, en fait, tu couvres tous les métiers, et tous ces métiers sont indispensables pour qu'un marchand puisse développer son activité, et chaque métier ou chaque problématique, c'est un produit derrière. Enfin, c'est un secteur entier avec énormément de produits disponibles. Donc, c'est ça la richesse de PrestaShop. De toute façon, on va en parler un peu plus tard, de tout cet écosystème. Carrément. On aborde peut-être le premier sujet, tout simplement, qui nous amène là. C'est vrai que vous êtes là tous les deux dans la même mission. Je crois savoir que c'est la première fois que vous êtes au même live, ou même sur le même plateau, en tout cas au même moment. Ouais. D'accord. Donc on va confronter un peu les avis sur la discussion. Non, c'est vrai que l'une des thématiques qu'on trouve intéressant, effectivement, d'aborder là pendant une vingtaine de minutes là qu'on a devant nous. Donc vous n'étiez pas à la fondation d'entreprise. C'est vrai qu'on parle beaucoup de startups qui se montent là actuellement, où finalement le rôle de fondateur, finalement un des fondateurs d'entreprise devient le DG. Ce qu'on trouve intéressant, c'est peut-être, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de raconter toi comment tu as vu peut-être il y a 5 ans ton arrivée dans cette entreprise, comment ça a évolué, mais en tout cas, comment tu as pu trouver ta place en tant que DG d'une société que tu n'avais pas fondée, une société relativement jeune, effectivement, enfin 14 ans, ça reste encore entendable. Comment tu... Adolescente. En pleine crise, c'est le sujet d'aujourd'hui. Non, je pense que la crise est passée, justement, c'est il y a 5 ans, quand j'ai rejoint l'entreprise. Chez PrestaShop, c'est génial, on arrive chez une belle pépite de la tech française. Okay. On est quand même leader des plateformes e-commerce en Europe, en Amérique latine. Et on parle de 300 000 marchands qui utilisent PrestaShop dans le monde, 300 000 entreprises, 22 milliards de volume d'affaires générés par ces marchands. C'est assez unique. Et donc, une grande excitation de rejoindre l'équipe pour pouvoir parler le matin avec des gens en Iran, au déjeuner avec des marchands ou des agences en France, et puis le soir avec toutes les belles big tech de californiennes. Donc ça, c'est une réalité déjà depuis plusieurs années. Et puis on a construit aussi une nouvelle réalité, transformer la boîte depuis 3 ans. Et ça aussi, c'est une source de fierté, mais c'est pas la mienne, c'est la fierté de l'entreprise et des équipes qui ont mené ça. Et d'ailleurs, clin d'œil, parce que qu'elle soit encore dans l'entreprise ou partie depuis, vous avez toutes et tous contribué à quelque chose d'unique, participé à ce leader français. Ouais.
Et donc ce qui a changé depuis 3 ans principalement, c'est qu'on a on a travaillé avec les équipes à finalement construire une vision qui est de devenir la plateforme commerce de référence pour la croissance des entreprises dans le monde. Ça nous engage à passer de notre rôle de pionnier du e-commerce à un rôle de pionnier de l'omnicanal pour des PME et des ETI. Ça veut dire aussi qu'on transforme notre business model pour nous assurer qu'on est le moteur de croissance des entreprises qui nous utilisent. Donc comment on s'assure qu'on va pouvoir finalement les accompagner dans leur croissance tout au long de leur vie. Ça veut dire aussi des nouveaux business models et des nouveaux produits, ou en tout cas des produits qui vont pouvoir porter ça également. Et puis enfin, l'enjeu, c'est aussi de découvrir nos marchands. Ça peut être assez paradoxal, mais en tant qu'entreprise open source, parfois on a oublié que la donnée était importante pour apporter de la valeur à nos utilisateurs. Et ça aussi, c'est un changement qu'on est en train de mener et de pouvoir mieux engager avec ces entreprises, mieux les accompagner et en faire un vrai levier pour le développement de produits, pour leur proposer nos offres et puis aussi en fait se rendre compte de cette manière que on est autant utilisé par effectivement des entreprises qui démarrent, qui se lancent et qui vont grossir avec PrestaShop. Je pense que tout le monde connaît le slip français, mais tout le monde connaît aussi Magimix, Decathlon, la Belle Illoise, Pylone, qui sont des marques qui vont se digitaliser, des réseaux de magasins qui ouvrent des boutiques en ligne, jusqu'à Carrefour aussi qui ouvre sa boutique non alimentaire. Et ça c'est aussi assez incroyable. Et là je donne des exemples français, mais on pourrait dire la même chose en Espagne, en Italie, au Mexique, en Pologne. Et ça aussi, cette accélération sur ces marchands qui vont avoir des problématiques plus complexes, plus avancées, parce que des tailles hors ligne qui est préexistante, parce que des besoins de personnalisation assez forts, d'intégration d'outils aussi type ERP, logiciel de caisse, qui vont être importantes. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on va aussi pouvoir travailler, je dirais, les forces de l'open source, cette flexibilité, le fait de permettre aux marchands d'être propriétaires de leur boutique, de garder la main sur leurs données, c'est autant d'avantages qui font de PrestaShop un acteur unique désormais sur le marché, puisque on peut admettre aujourd'hui qu'on est la grande plateforme open source dans le monde en fait, et la seule avec cette échelle. Ok, et du coup sur cette vision-là, merci, du coup ça fait une belle présentation en plus pour tous ceux, je pense que ça n'était pas exactement tout ce que faisait PrestaShop, c'est assez intéressant. Toi tu arrives donc dans cet environnement-là, dans cette entreprise-là, j'imagine que la vision était peut-être un petit peu différente il y a quelques années. Comment tu es arrivé à te positionner finalement, quel conseil tu pourrais éventuellement donner à des gens qui se retrouvaient peut-être dans cette même situation, comment tu as pu donner une vision, l'incarner peut-être un petit peu comme ce qu'on attend par exemple d'un directeur général? Et est-ce que c'est d'ailleurs toi ta définition de ton job actuellement, garder cette vision, la transmettre aux équipes et incarner finalement tout ce que tu viens de nous dire sur ce qu'est PrestaShop actuellement? Ah ouais, c'est job, ton job à plein temps, d'ailleurs c'est ce que je fais maintenant, mais je sais pas si j'ai vraiment des conseils à donner, parce que c'est aussi un chemin que l'on a construit avec des réussites et puis des échecs aussi, il a fallu prendre le temps et peut-être qu'on l'a pas appris assez et qu'on a voulu être assez aller vite ou être en mode monsieur ou madame plus selon les personnes sur certains sujets. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le fruit d'une évidemment d'une analyse des tendances, mais surtout de l'écoute en fait. Et c'est en ça que mon métier d'avant chez PrestaShop était intéressant, c'est que j'étais en contact direct avec l'écosystème et la communauté. Oui, les marchands, mais aussi les experts, les agences qui travaillent avec ces entreprises, nos partenaires techno aussi, qui sont à la pointe en fait des innovations qui vont pouvoir apporter sur tel ou tel sujet pour les entreprises. Et donc l'écoute à la fois de cet écosystème et puis l'écoute des équipes pour savoir vers où on a envie d'aller en fait. Et il était certain qu'on avait tous envie de garder notre ADN open source, de le travailler, d'aller plus loin dans ce sens. Donc c'est des choses qu'on a travaillé notamment avec Pierre-Olivier là, sur l'année passée. Et puis après, il y a aussi ce rencontre de l'évolution du commerce aujourd'hui.
Le sujet, c'est plus de parler de, d'e-commerce d'un côté ou de commerce hors ligne de l'autre, c'est de parler de commerce tout simplement. Okay. Les entreprises qui utilisent PrestaShop, aujourd'hui, elles font du commerce, elles vendent, et qu'elles vendent en ligne ou en magasin, l'enjeu, c'est de pouvoir leur apporter petit à petit la possibilité d'intégrer en fait tous ces canaux. C'est autant d'écoute des entreprises que de notre comportement consommateur aussi. Ok. Moi, j'avais une question justement sur toi, Pierre-Olivier. Parce que justement, en tant que CPO, quand tu arrives dans une boîte, tu as déjà une vision. Il y a une vision qui existe de l'entreprise, du produit que tu vas créer. Comment est-ce que tu as fait pour t'introduire dans cette vision? Est-ce que tu as décidé de, pas tout casser, mais de révolutionner, vraiment mettre une patte très forte dès le début? Est-ce que justement, ça a été plus smooth, tu es arrivé et petit à petit, en fait, tu as commencé à imposer tes idées? Est-ce que tu étais complètement d'accord avec ce qui était prévu avant que tu arrives? Comment s'est passé un petit peu cette transition? Et justement, comment est-ce que toi, tu as pu le voir, Alexandre? Est-ce que vous étiez d'accord dès le début sur la même vision? Et c'est pour ça qu'il y a eu match, et donc c'est pour ça que tu es là. Comment ça s'est passé? De façon très humble, justement, je suis pas arrivé avec une vision, loin de là. En fait, le vrai sujet, enfin, et c'est aussi peut-être une des premières fois que je le fais, c'est peut-être l'expérience qui aide aussi à avoir cette approche-là. À se dire qu'en fin de compte, il y a déjà un certain nombre de choses qui existent. Et surtout, quel est le sujet finalement de la boîte à ce moment-là? Et quel est finalement le plus gros problème à résoudre? Okay. On revient sur une démarche, voilà. Et c'était avant tout comment les équipes interagissaient entre elles, travaillaient entre elles. Et il y avait pas mal de choses, hein, mais il y avait effectivement un certain nombre de problèmes qui remontaient. Et je me suis dit que c'était peut-être le premier sujet à traiter. Et ça peut être étrange de dire on commence pas par la vision, on commence par finalement l'organisation. Voilà, et c'est ce que je me suis dit qui était le plus bénéfique pour l'entreprise. Parce que de toute façon, le point de départ, si les gens sont bien, on pourra effectivement construire de belles choses. Plus les gens seront bien et plus on pourra construire de belles choses, donc avant tout s'attaquer à ça. Sachant que, comme le dit Alexandre, il y avait déjà un track qui était lancé avec. Une vision de l'entreprise, pas forcément une vision du produit, okay. C'est ça qui est intéressant. Quelques mois après, je pense que c'est toujours bien, enfin ça dépend des sujets, hein, mais d'avoir un certain temps de recul, j'ai pu animer un certain nombre de, ça a peut-être duré un à deux mois, d'ateliers d'intelligence collective. Voilà. Et c'était une façon finalement de recueillir et d'impliquer la grande majorité de l'entreprise et l'ensemble des, au-delà des expertises, c'est aussi des visions et de la connaissance existante sur toutes les problématiques pour partir vraiment sur, par rapport à la mission de l'entreprise, où est-ce qu'on pourrait aller demain, comment ça pourrait se traduire pour, non pas un produit, mais l'écosystème produit. Et c'était toute cette complexité aussi qui était assez vaste à traiter. Et toujours de façon humble, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une étude très approfondie, avec pas mal d'input de l'extérieur aussi, mais seulement avec la connaissance existante interne, qui est déjà, déjà majeure. Voilà, exactement. Et ça a permis, je pense, d'éclaircir un certain nombre de choses, de le rendre plus concret. C'est principalement ce qui a sorti finalement à la suite de ces ateliers. En tout cas, que les personnes étaient. Moi, le feedback principal que j'avais, c'est effectivement qu'il y avait un assez cool, on voit mieux ce que ça pourrait donner. Ensuite, il s'est passé des mois. On a actionné d'autres priorités. Et c'est encore une fois un switch majeur, c'est que finalement. L'évolution de la vision, elle ne se fait pas forcément dès le début, pas forcément à notre moment, et je pense que c'est maintenant qu'on va commencer à vraiment, je vais commencer vraiment à l'accélérer, parce que c'est le bon moment pour la boîte par rapport à ce qui avait déjà été lancé, ce qui avait été construit et ce qui était en cours. Et autre sujet très intéressant, pour préparer l'année et cette année-là, on a dû faire des choix assez drastiques, comme toute entreprise, pour se décider sur quoi on met nos efforts, et ce n'était pas encore un sujet de vision. Produit. Okay. Voilà, donc toujours, je reviens sur l'humilité, je pense que c'est un vrai sujet, et d'accepter finalement que ça prenne du temps. J'ai pu le faire dans d'autres expériences, par exemple, l'exemple que tu as cité, où j'ai commencé par ça, poser une vision par rapport à l'existant avec un gros travail de fond et tirer le fil une fois qu'on a cette vision. Voilà, là ça s'est fait autrement et je pense que c'est avec vraiment le point de se dire qu'est-ce qui est le meilleur pour la boîte à un instant T. Et c'est vraiment ça le driver principal. Et tu parles justement de t'as commencé donc avec une organisation, avec en tout cas comprendre les équipes et comment elles voulaient fonctionner. Est-ce que tu as senti un peu des freins ou peut-être une méfiance qu'on peut avoir parce que tu es un nouveau directeur, un nouveau
responsable qui arrive, responsable produit. Non, heureusement, c'est une chance. C'est plutôt une envie. Mais c'est assez caractéristique de PrestaShop. Il y a une vraie envie et une vraie acceptation des nouveaux entrants. Je pense que ça, alors, je parle peut-être pour moi, mais aussi je l'ai entendu par ailleurs. Finalement, il y a. Ça rejoint cet aspect communautaire, je pense. C'est une entreprise qui est vraiment passionnée, donc c'est vraiment une équipe assez soudée qui intègre facilement ses nouveaux membres. En tout cas, moi j'ai commencé chez PrestaShop 15 jours avant le premier confinement. Ça s'est super bien passé. Donc, les 15 premiers jours dans les bureaux, ça permet quand même de voir les gens, de les rencontrer en vrai et d'avoir déjà immergé dans l'aventure. Hein. Donc, ça, c'est vraiment pas négligeable, mais ça s'est vraiment très très bien passé. Donc, ce que tu conseilles, c'est vraiment d'abord regarder l'humain et éviter de se confronter à la résistance au changement. Parce que remonter les gens, c'était ça, avant tout. Okay. C'est j'arrive pas à avancer, ou je suis coincé là, ou je sais pas. Et puis, au fur et à mesure des semaines, tu te dis, ah, en fait, là, il y a vraiment un truc qu'on peut vraiment améliorer, ça va apporter énormément. Donc travaille d'abord là-dessus. Et du coup, c'est intéressant parce que tu dis, d'expérience, je ne voulais pas arriver avec ma vision, avec une vision prédéfinie et donc la construire. Qu'est-ce que tu penses justement que tu as apporté? Alors, tu as eu cette écoute en tant que responsable, donc tu as construit finalement toi-même tes premiers mois dans l'entreprise en fonction de ce que disaient tes équipes, mais d'un point de vue peut-être plus hard skills, entre guillemets, comment tu as pris le taureau par les cornes? Comment ça s'est passé en fait? Quelles ont été tes actions un peu Ça a été beaucoup de méthodologie produit. Ok. Donc, il y avait déjà certaines personnes, et principalement les designers, qui allaient chercher le contact et feedback utilisateur, mais on était encore très très loin. Ça se faisait assez peu dans le reste de la boîte. Donc, c'est comment finalement on intègre déjà le user. Partons déjà de ça dans tous les processus de conception. Ensuite, c'est finalement comment on. Des livres, finalement des livrables qui soient assez efficients et qui permettent aux autres équipes de travailler. Donc ça a été beaucoup de travail sur les méthodos. Ok. Produits. Commencer par les méthodos. Ouais, commencer par les méthodos. Bah, c'était le besoin aussi. C'est une petite anecdote, mais finalement, aujourd'hui, je pense que l'équipe est arrivée à un certain niveau de maturité. Toujours un peu inégal, mais c'est normal. Surtout ce qu'on appelle la conception, pas quand on parle d'une feuille blanche, mais quand voilà. Il y a un gros sujet, on veut vraiment délivrer, etc. Ouais. Tout mon point auprès de l'équipe là, la rentrée, ça a été justement, c'est bien de sortir une feature, c'est d'avoir intégré au maximum le user dans la conception de cette feature, le feature de voilà. Ouais. Mais l'histoire, elle commence une fois qu'elle est live, okay. Et finalement, en fait, on dérisque en intégrant le user dans tout le processus de conception, on dérisque au maximum. Le fait de tomber vraiment à côté par rapport aux besoins, mais c'est juste du risque. On n'a pas vraiment réalisé finalement et assuré d'avoir répondu aux besoins. Et donc après, c'est qu'une question d'amélioration continue. Et donc on rentre dans cette phase-là où on va aller dans l'amélioration continue à partir de la data et de la data réelle de l'usage. Donc on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a mis en place avec l'équipe. Pour répondre à ta question, on a identifié trois chantiers majeurs. Okay. Assez rapidement, exactement, dont un qui était l'analyse de l'usage, et donc le tracking de l'usage. J'avais commencé par ça. Pour pouvoir l'analyser, il fallait le traquer. Évidemment. Et donc, effectivement, on a fait des groupes de travail, ceux qui avaient le plus envie de travailler sur tel ou tel sujet. Et il y a eu tout un travail sur le tracking qui a permis de nous donner à l'équipe, pas sur l'ensemble de l'écosystème, trop vaste, mais sur une partie conséquente, des outils. Et qu'on exploite de plus en plus. Top. Voilà. Donc c'est cette acculturation à utiliser la donnée finalement un peu et le user-centrisme dont tu parlais tout à l'heure sur la base. Ouais, exactement, c'est vraiment les deux points majeurs. Okay. Et après aller vers de l'intelligence collective aussi, beaucoup de design thinking dans ce sens-là. Et je trouve que la force majeure de ce truc-là, c'est finalement plutôt que de pondre une réflexion en chambre, je caricature un peu. Et ensuite après il va falloir essayer de convaincre et faire le long chemin. Donc déjà il y a un temps dingue pour arriver à ce niveau d'avoir construit la réflexion, et après ça nécessite énormément de temps pour convaincre. Alors que de le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire de ne pas construire la réflexion, on revient sur la vision, mais de le faire avec les personnes, finalement sans parti pris initial, et c'est ça qui est le plus dur en fait, c'est de ne pas faire de choix soi-même. Ça amène quand on sort de cette phase-là, en fait, les gens sont déjà convaincus. Donc, on a déjà fait le job. En fait. Parce qu'ils étaient déjà inclus. Donc, exactement. Et donc, c'est là où ça devient juste magique. C'est super intéressant.
Et justement, toi, Alexandre, est-ce que tu attendais, parce que forcément, vous aviez quelqu'un au produit avant, qu'est-ce que tu attendais justement quand tu as recruté Pierre-Olivier de, est-ce que tu voulais qu'il change tout? Est-ce que tu voulais qu'il fasse une vraie révolution? Est-ce que tu voulais qu'il aille dans la continuité et donc, comme tu as fait petit à petit, prendre les rênes? Qu'est-ce que tu attendais finalement concrètement quand vous avez changé complètement de direction de produit? Parce que c'est un vrai gros mouvement finalement dans un écosystème produit. Oui, mais je dirais plutôt qu'on a ouvert un nouveau cycle en fait. Okay. Je pense qu'on a fait évoluer positivement l'entreprise avant l'arrivée de Pierre-Olivier. Et on avait besoin aussi d'entrer dans un nouveau cycle pour aller plus loin. Mmh. Donc la vision de l'entreprise, ça permet de poser un cap, ouais, et de délimiter certainement un cadre. Et après, effectivement, il y a une appropriation à faire dans les équipes, sur nos produits, par rapport à ce cap. Et c'est ce que décrit Pierre-Olivier. Et je pense que, bon, je peux dire ça assez directement, tous les deux, on a cette volonté de transformer. Ok. Et ça a été la mission de Pierre-Olivier quand dès l'entretien, tu étais aligné, je crois, avec la vision qui était posée, ce cap. Après, derrière, il y avait tout à faire par rapport à ce cap pour aller continuer à construire les marches et avancer avec notre vision produit, roadmap, organisation, etc. Et c'est ce que Pierre-Olivier a fait directement en identifiant là où il y avait des choses à faire évoluer, à changer, et notamment l'organisation. Et donc, effectivement, on a posé un schéma d'organisation qui était plus poussé que le précédent, mais qui s'imprégnait du précédent. Ouais. Hein, les tribus, les squads, elles étaient déjà là. Après, il a fallu repenser deux choses. Un, leur structure, leur composition. Et deux, les interactions. Et je pense que dans les interactions, les squads sont constitués de deux têtes produits essentielles que sont les product managers et les product designers, évidemment des développeurs qui ont des rôles après de scrum master, de shérif même pour certains, etc. Il y a évidemment aussi la QA qui fait partie de la squad, mais ce qu'on a construit avec Pierre-Olivier, mais pas seulement avec Eric, avec notre CTO, avec Eric Sénéchal, Christophe Bourron, notre CRO, c'est le fait de constituer une squad, je dirais, renforcée avec vraiment les métiers qui comptent pour faire avancer le produit et pour apporter de la valeur à nos utilisateurs et à nos clients. Plus en plus dans cette logique d'apporter de la valeur aux clients. Et donc, c'est évidemment les équipes produits, les équipes tech, mais aussi les équipes revenus. Et ça, ça a été une avancée majeure aussi qu'on a lancée l'année dernière et qui nous permet... Pierre-Olivier a parlé d'adhésion. D'adhésion, évidemment, pour emmener tes équipes, pour emmener nos équipes. Et là, il y a un vrai sujet aussi de déciloter, de faire travailler les gens ensemble. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est aussi une réalité pour que chacun puisse atteindre aussi ses objectifs et viser droit là où avant on avait potentiellement des cultures un peu de cohabitation et pas forcément de collaboration. C'est intéressant parce que tu parles effectivement d'adhésion. Finalement, l'adhésion des équipes, je pense que c'est quelque chose des choses les plus difficiles parfois à avoir quand on prend un poste, j'imagine, de direction. Pour revenir, c'est vrai, sur ce thème, la thématique un peu qu'on a choisi aujourd'hui, à savoir la différence entre CPO, CEO d'une boîte qu'on n'a pas fondée. Tu disais que tu avais commencé dans le produit dans une société que tu avais toi-même fondée. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais avant? On parlait de vision, donc d'adhésion des équipes. Normalement, on l'a directement quand on a fondé l'entreprise. Naturellement, on a ce petit plus de magique, entre guillemets, d'avoir fondé l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque, quelles sont pour toi les différences majeures d'une entreprise comme celle que tu avais fondée? Alors le nom m'échappe maintenant, mais entre celle que tu avais fondée le bénéfice de ne pas travailler sur son produit, c'est qu'il y a moins de... Enfin, on parlait de passion tout à l'heure, donc je vais dire l'inverse, mais du coup, il y a moins ce côté très passionnel et relatif au produit, on va être plus mesuré et plus alerte aux réels besoins de ses utilisateurs. Okay. C'est un des trous dans lequel je suis tombé en créant une startup, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est que finalement on le construit pour soi et pas pour ses utilisateurs.
Et c'est après qu'on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'attendaient les utilisateurs, ou en tout cas pas complètement. Donc il y a vraiment ce décalage assez fort entre eux, et je pense que l'humilité, c'est super, ça me marque vraiment ça. On revient là-dessus, quoi. Finalement, quand on fonde son propre produit, on va avoir un affect qui est très très fort et qui potentiellement va nous faire ne pas voir un certain nombre de choses parce qu'on a des convictions qui peuvent être très fortes. Ouais, okay. Et donc en enlevant finalement cette problématique-là de conviction, enfin, un certain nombre, bien entendu, ça permet de se focaliser sur ce que les gens font vraiment. Et arriver à cette neutralité en fait, qu'impose le produit en disant c'est mon bébé mais je vais le laisser de côté parce qu'il me sert. Alors après, il faut avoir des convictions sur. Et la vision, c'est aussi ça, hein, c'est qu'à un moment, les directions, il y a un grand nombre de chemins qui s'ouvrent à nous, ouais. Donc il faut aussi en choisir un chemin. Par contre, le détailler, c'est là où ça devient effectivement plus top. On a juste une petite question du chat, ADB, L95, qui vous demande « Comment s'étend qu'une entreprise n'a pas fixé le bon cap, selon vous ?» Bah, quand c'est l'utilisateur, la quitte, hein, tout simplement, dans le temps. Mmh. Réponse claire. C'est finalement dans le temps, on ne peut pas le voir à un instant. Il peut y avoir des erreurs, des moments ou des faits extérieurs qui vont faire qu'il y aura une perte sèche à un moment. Mais si c'est très récurrent et ça ou que les utilisateurs, je vais pas dire power users, enfin surtout les power users finalement. Pas forcément les utilisateurs de longue date, parce qu'après la direction de l'entreprise peut changer et peut ne plus être adaptée à ses utilisateurs de départ, donc ça c'est pas forcément un problème. Mais le moyen d'adhésion à ce que vous faites et, c'est l'utilisateur ou ses clients cibles. Parce qu'une entreprise peut fixer un nouveau cap avec une nouvelle cible. Ouais. Donc, personnel, de toute façon. Okay. Complètement. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on est en train de faire avec volonté d'offrir et d'accompagner des marchands, des entreprises qui ont une ambition forte de vouloir accélérer leur e-commerce ou qui ont déjà le potentiel de faire un e-commerce conséquent. Après, pour moi, il y a évidemment les utilisateurs, les clients, c'est pour eux qu'on travaille. Mais on ne travaille pas seul et il y a aussi les équipes et je pense qu'il y a plein d'indicateurs, il y a d'abord ce qu'on ressent dans l'entreprise et évidemment les employés, les équipes, c'est aussi important. Les deux en fait. Okay. Évidemment, il y a d'autres parties prenantes, mais c'est les deux principales. Et du coup, avoir une vraie culture agile finalement, c'est toujours ravir ses employés et les utilisateurs qui sont... nos utilisateurs cibles en fait, finalement. C'est ça. On travaille pour les autres. Quelle belle conclusion. Quelle belle vision. Salut le Prestacrew. D'ailleurs, Samuel Boucher qui nous passe le petit bonjour. On salue Sam. Bonjour. Avec vos emplois du temps, est-ce que vous avez le temps de regarder un petit peu ce qui se fait dans le monde du produit globalement ou pas du tout? Je suis très franc, j'ai pas le temps. Okay. C'est une grave erreur, mais. On s'occupe. On s'occupe de corriger. Alexandre ? Ça dépend de quel produit on parle. Du coup, un petit peu, tu restes un petit peu en veille de ce qui se fait. Voilà, sur les produits brassicoles, ouais. Ça va rester. Et justement, en fait, on a une petite rubrique qu'on fait depuis maintenant un an qui s'appelle le Rewind Produit, qui vous permet de voir un petit peu l'actualité. Et donc, on va lancer le Rewind Produit. Hello la communauté produit, l'équipe du Rewind est ravie de vous retrouver. On espère que l'été s'est bien passé et que vous avez rechargé vos batteries. Maintenant, place à la rentrée des classes. Et c'est promis, avec le Rewind, pas d'heure de colle et pas d'interro surprise, mais un programme des plus passionnants, de l'inno, de la tech, des startups et du produit. Alors, ouvrez vos manuels, le Rewind, saison 2, premier chapitre, action! Et cette rentrée commence avec Mark Zuckerberg qui veut se faire couronner empereur du métavers. Issu de la science-fiction, le métavers désigne un environnement virtuel dont les utilisateurs sont acteurs et non plus spectateurs grâce à la réalité virtuelle. Et il faut dire que Facebook a de bons arguments, à commencer par la techno Oculus, des milliards d'utilisateurs et des dollars à investir. Mais Workroom, le prototype de salle de réunion virtuelle présenté cet été, va devoir convaincre car la concurrence n'a pas attendu. En effet, des géants du gaming misent déjà sur leurs univers pour poser les fondations de leur propre métavers. Skatepark virtuel en collaboration avec Vans chez Roblox et organisation de concerts géants dans Fortnite pour Epic Games. Entre Ready Player One et La Matrice, faites vos jeux. Si vous êtes de la génération Y comme moi, alors vous avez probablement tapissé votre chambre d'ado à
grand renfort de posters de vos idoles. Ça, c'était avant l'événement des réseaux sociaux et l'accès direct aux plus grandes stars. Et c'est en Corée que le futur a encore une longueur d'avance. Des plateformes dédiées aux fans des groupes de K-pop permettent aux stars de diffuser des messages à leurs fans. L'astuce côté fan, l'appli masque les messages des autres fans et laisse croire à un chat en tête-à-tête avec ses idoles. Certaines vont même jusqu'à utiliser une IA pour simuler des messages vocaux de la star. Et oui, un rewind ne serait pas un rewind sans son instant Black Mirror. On l'attendait du côté du cloud gaming, mais c'est finalement du côté des jeux mobiles que Netflix va faire ses premiers pas en tant que plateforme de jeux vidéo. Après des premiers essais dans l'interactivité, au travers d'épisodes ou de séries interactives comme Black Mirror et You vs Wild, on parle cette fois-ci de vrais jeux vidéo. On retrouve donc maintenant directement sur Netflix des liens pour télécharger deux jeux mobiles Android issus de la licence Stranger Things, une fonctionnalité déployée uniquement en Pologne pour le moment, que l'on voit comme une opportunité de tester le marché avant de concurrencer Amazon, Sony et Microsoft sur le cloud gaming. Affaire à suivre. Et on continue avec un rappel du programme de l'an dernier. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Aux États-Unis, TikTok peut désormais collecter votre visage, votre voix et autres données biométriques de vos vidéos, en plus de toutes les données déjà collectées. Même si TikTok assure ne pas avoir utilisé ce droit, on se dit qu'on est quand même plutôt bien loti avec notre RGPD. Et face à cela, une startup tente encore de changer la donne. Invisibly propose en effet de vous rémunérer contre vos données. La startup parle même de data empowerment, c'est-à-dire de redonner le pouvoir à l'utilisateur en le laissant choisir, en connaissance de cause, ce qu'on lui recommande et comment sont exploitées ses données. On adore! Vous connaissez l'A-B testing? Cette méthode consiste à proposer deux versions d'un même élément et d'en mesurer les performances afin de déterminer celles qui génèrent les meilleurs résultats. Très largement utilisée dans les apps mobiles et le développement web, l'entreprise Lego a récemment initié une démarche similaire dans la grande distribution. Dans le cadre d'une expérimentation au Royaume-Uni, Lego commercialise en effet de nouveaux sets avec des variations de coloris et de taille. Entre maximisation des profits et réelle démarche user-centric, on a bien quelques doutes, mais on adore le dino bleu. Vous pensez déjà à vos prochaines vacances? Ça tombe bien, Airbus cherche à remplacer les écrans et magazines de ses avions. L'objectif est de proposer une alternative à des magazines souvent abîmés ou obsolètes et un support évolutif et facile à désinfecter. Développé en collaboration avec Royal, le device aux allures d'iPad veut donner la sensation d'avoir un magazine entre les mains. Le passager pourra tout faire depuis son device, commander et payer un repas, lire les journaux, jouer ou regarder des films. Pas sûr que vous trouviez ce nouveau magazine dans votre prochain vol pour Bali, des tests sont en cours, mais le décollage pourrait avoir du retard. Et parlons dissonance cognitive. Alors que 88% des consommateurs déclarent que le développement durable impacte leurs décisions d'achat, seulement 54% sont prêts à payer plus pour une livraison à faible impact carbone. Si les consommateurs n'arrivent pas à faire les meilleurs choix pour l'environnement, pourquoi ne pas arrêter de leur donner ce choix? C'est ce que propose la Harvard Business Review dans un rapport qui souligne la responsabilité des vendeurs e-commerce. Entre se servir de l'influence des réseaux sociaux pour créer une norme sociale ou arrêter de proposer des alternatives non durables, le rapport donne des pistes pour influer positivement sur le comportement des consommateurs. Et pour finir sur une note légère et atypique, on finit par un détour en Corée sur une innovation improbable. Un professeur dont je n'écorcherai pas le nom a eu l'idée saugrenue de transformer les matières fécales en une monnaie virtuelle. Cette monnaie, dont le nom signifie « miel » en coréen, est utilisée comme bioénergie, mais peut aussi être dépensée par les testeurs dans une boutique de l'université et dans des magasins partenaires. Chiffre à retenir, la production moyenne générée par une personne aux toilettes permet de faire rouler une voiture électrique sur 1,2 km. Rien ne se perd, tout se transforme et on aime cette innovation très écologique. C'est déjà la fin du premier Rewind de cette saison 2. On est heureux de vous revoir et on a pris beaucoup de plaisir à scanner l'actualité depuis la plage. On se donne rendez-vous le 3 novembre pour un nouveau Rewind produit. Bonne rentrée à tous and stay tuned. Super Rewind, Loulou. Il était sympa. Je pense que, comme je disais à Pierre-Olivier, c'est une des rubriques que vous préférez et on espère que vous aimez bien ce nouveau format avec la nouvelle charte graphique et tout ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Peut-être Pierre-Olivier. Ouais, je trouve ça super vite, donc c'est assez fou. Ouais. Autant d'infos en si peu de temps. T'avais bien. On reste pas de télé, quoi. Moi, ce qui m'a fait tilter, c'est l'Ego avec ses A-B tests. Ouais, c'est A-B tests en vrai, quoi. C'est clair. Et finalement, voilà, encore une fois, c'est en. On peut imaginer plein de choses et risquer plein de choses en faisant des tests avant de sortir quelque chose, mais c'est une fois que c'est dans la vraie vie, dans les mains des utilisateurs, qu'on se rend compte de ce qui marche vraiment ou pas. C'est très bien. Avec le risque finalement de les perdre, parce que s'il y a un grand nombre de choix, au bout d'un moment, on n'arrive plus à choisir. Et donc voilà. Mais pour toi, est-ce que justement c'est pour vraiment un vrai A-B test ou est-ce que c'est pour créer un sentiment de rareté? Il y a peut-être certains qui vont acheter que la couleur bleue, pardon, pour le dino bleu. Est-ce que tu penses qu'ils vont regarder le plus de ventes et donc créer que celui-là ou au contraire diminuer en fait la quantité de stock
pour provoquer justement un petit peu un panic buy. Tout le monde va acheter ce dino bleu parce qu'il le faut, parce que plus personne ne l'a en stock. C'est des stratégies qui fonctionnent, hein, ouais, les deux. Donc après, peut-être que les chiffres diront vers lesquels se tourner le plus, quoi, mais je pense que les deux apportent de la valeur à l'utilisateur. Et mettre au bout. Alexandre, qu'est-ce qui t'a un petit peu fait? Voilà, tu m'as expliqué mon Lego, parce que je suis fan de Lego. Sur Insta, je suis tous les Affol et autres fans et créateurs de Lego. Non, moi, ce qui m'inspire aussi, c'est le rapport de la Harvard Business Review qui met en exergue le rôle des marchands dans le déploiement, finalement, de bonnes pratiques environnementales, sociétales. Et en fait, ça fait tilt parce que là, on est en train de lancer avec un de nos partenaires, Pegreen, une solution Impact qui permettra aux marchands de faire de l'arrondi solidaire et de choisir vers quelles associations va cet arrondi, eux et leurs clients. Et puis de suivre en fait, l'impact environnemental d'une commande, voire même de pouvoir compenser l'empreinte carbone de ces commandes. Okay. On est en plein dedans, en fait. Okay. Ça tombe à pic. C'est cool, Pep. Humain, c'est toi, en un mot. Moi, okay. C'était plus Invisibly, la rémunération contre les données. Je trouve qu'on est vraiment dans le Black Mirror. En fait, c'est ce qui se fait derrière. Et là, en fait, ils le mettent juste aux yeux de tous, tout simplement. Mmh. Donc, c'est bien d'un côté. On voit que finalement, toutes nos données, ça vaut quelque chose. Et ça doit faire réfléchir, en fait, finalement, sur ce qu'on doit mettre, ce qu'on ne doit pas mettre. La RGPD, je sais qu'il y a quelques années, c'était un petit peu compliqué pour pas mal d'entreprises de la mettre en place, mais sur cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rapport direct. Ouais. En plus, et si tu redonnes la main encore une fois à l'utilisateur, finalement, il y a peut-être un échange qui sera plus franc et plus juste pour les deux, quoi. Ouais, complètement. C'est comme on dit, c'est gratuit, c'est pas le produit. Mécaniquement, t'es dans une situation où t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise, c'est dur comme phrase. Black Mirror. Ouais, c'est ça. Bon, on en a parlé d'ailleurs, vous aviez un petit peu en fait finalement fait de la veille, parce qu'il y a quelques certaines choses quand même. Ouais, la veille du commerce, on l'a. Ça va, ouais. Mais est-ce que vous avez le temps de lire? Lire n'importe quel livre, vraiment. Est-ce que vous lisez des livres papier, par exemple, à part la BD. Des bandes dessinées, ouais. Des livres papier aussi, oui. Des livres papier. Ça arrive, oui, bien sûr. Ça arrive, ok. Ouais. Non, mais il y a certaines personnes qui ne lisent pas. Bah, c'est bien de ne pas être causé à un écran tout le temps. Ouais. Ok. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Ouais. Et bien, justement, parce qu'en fait, on a une nouvelle rubrique qui s'appelle le Club de lecture et qui va faire intervenir un No Weavers qui va parler d'un bouquin. Et bien, c'est pour ça qu'on lance le Club de lecture. Petite seconde, parce qu'on me dit qu'on n'a pas de son dans l'oreillette. Ah. Comme ça, avant que tu commences avec Inspired. Désolé, Edouard, c'est les problèmes techniques. C'est bon ?
Du coup, je vais recommencer au début. Bon, bah, écoutez, désolé, petit problème technique. On est dans la vraie vie maintenant, forcément, donc on a des petits problèmes techniques. Edouard, mais Louis, c'est bon. Bah, rebonjour à tous, rebonjour Pierre-Olivier, rebonjour Alexandre. Salut. Rebonjour Marcel. Edouard. Rebonjour Louis, au backstage. Je viens vous parler du coup du club de lecture. Donc, le club de lecture, qu'est-ce que c'est? C'est un club qu'on a monté chez WeWoo pour lire des livres en rapport avec le product management, mais pas que. On se réunit toutes les 6 semaines. Le but, c'est de partager nos apprentissages sur les livres qu'on a sélectionnés par les membres du club. Donc, généralement, 2 à 3 livres sélectionnés pour chaque réunion. Et on parle, on partage nos apprentissages, on explique ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, ce qu'on a compris. On pose nos questions et puis on échange autour de ce sujet. Là, je vais vous faire un petit compte-rendu de ce livre, donc Inspired, que vous voyez ici. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, ou si vous avez entendu parler. Toujours pas. Ok, donc je vais vous en parler tout de suite. Mais pour vous en parler un petit peu mieux, je vais vous parler du système de notation qu'on a mis en place. Donc, ce superbe système de notation breveté. Pardon, excuse-moi pour la transition. L'idée, c'était d'exprimer par des émojis justement les émotions, les ressentis qu'on peut avoir et de faire en sorte d'aligner les personnes sur un sujet donné en exprimant leurs émotions. Puisqu'évidemment, bah, la note de 3 pour toi ou pour moi, elle n'a pas forcément la même signification. Et donc du coup, tout de suite, je vous parle d'Inspired. Donc Inspired, 300 pages de condensé sur le product management. Parfois, quand on fait des recherches sur Internet, il y a le mot Bible qui revient aussi. Donc vraiment une grosse référence. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 300 pages, on a un condensé de ce que fait tout le product management. Donc on parle aussi bien de product que de people, que de process, que de culture, avec des illustrations qui sont très pertinentes, parce qu'on a beaucoup aussi de retours d'expérience de l'auteur, je vais vous le présenter tout de suite après, mais de retours d'expérience aussi de PM de très haute volée. On a dans le même temps un déroulé qui va vraiment suivre toute la vie d'un produit et donc on va pouvoir avoir une immersion vraiment sans concession dans ce que c'est que le product management. Donc l'auteur Marty Kagan, alors il a un CV long comme les bras, donc je vais lire un petit peu mes notes. Il a été développeur chez HP dans les années 80, VP Product chez Netscape, donc un navigateur phare des années 90. Désolé. Mais phare. Il a été senior VP Product et Design chez eBay à l'aube des années 2000, donc vraiment pas au lancement de eBay. Et il fonde le Silicon Valley Product Group en 2002, avec pour but d'aider toutes les tech companies de développer leurs produits. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Marty Kagan, c'est vraiment un témoin et un acteur de vraiment l'avènement d'Internet, des technologies numériques sur les 40 dernières années et avec une focalisation sur le product management. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a parlé de l'intérêt général qu'on avait pour ce livre. Et là, on a été vraiment ravis. Il y a un côté très tranchant dans l'écriture. On retrouve beaucoup d'enseignements. On parle d'éléments de roadmap, de vision, d'OKR, de story map, de prototypage, de test. Et en fait, beaucoup d'autres. Ouais, mais ce qui fait vraiment mouche, c'est toute son expérience. Donc, il y a beaucoup d'illustrations. Et comme je vous le disais, il y a beaucoup d'illustrations donc, de Marty Kagan et de beaucoup de grands product managers. On a Léa Eichmann chez Adobe. Donc, comment ils sont passés d'une solution qui était un logiciel qu'on pouvait imaginer avec son CD-ROM qu'on mettait à quelque chose dans le cloud. On a Jane Manning, PM chez Google AdWords, donc pareil, il y a beaucoup de nouveautés qui ont été implémentées à l'Express Loan, à la UBC, et j'en passe. Deuxième point que je voulais vous mettre en avant, c'était tous les apprentissages qu'on avait eus, et là encore, on a donné une super note de 3,80 sur 5. C'est pas un livre de recettes, il n'y a pas d'explication à outrance. Il y a un truc qui peut être un petit peu déroutant, c'est qu'il n'y a pas du tout de schéma explicatif, donc que l'écriture. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de product management, mais on a souvent un petit schéma qui nous explique les courbes d'adoption d'un produit, ce genre de choses. Là, rien du tout. L'apprentissage, il se fait vraiment au niveau de la culture produit. Et le but du jeu, c'est de nous faire prendre du recul et de prendre le recul qu'on doit avoir en tant que product manager sur un produit. Et donc vraiment, on fait une focalisation sur, une fois de plus, les personnes qui font un produit, le produit en lui-même, les process, la culture à mettre dans une organisation.
et évidemment aussi parler de l'interaction entre les individus. Donc, ce qu'il faut retenir, effectivement, bah, c'est vraiment une référence sur le product management. C'est une source d'inspiration, je pense, pour beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de la vision, mais on parle aussi de l'exécution. Autre point que je voulais, qu'on a voulu mettre en avant, c'est ce qu'on a appelé l'originalité. Et là, on a mis une super note, 4,75 sur 5. Alors, l'originalité, c'est peut-être un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais le but, c'était de se référer à la pertinence et à l'unicité du propos de Marty Kagan. Il faut se rappeler qu'il l'écrit dans les années 2000, qu'aujourd'hui, quand on le lit, ça nous paraît évident, mais qu'au moment où c'est écrit, c'est vraiment un sujet hyper novateur. La façon dont il traite le sujet, pardon, est très novatrice. Et tout ce qui nous paraît évident, bah, en fait, on le retrouve là-dedans. Il y a des choses qui sont très marquantes. Il nous dit, bah, on va reprendre un peu le titre du livre, mais une vision produit, c'est là pour inspirer. Une stratégie produit, c'est là pour donner de la focalisation. Il a vraiment des propos très forts. Il fait part de ses convictions. Et là, je vous ai mis un petit exemple. Donc, vraiment, le sujet épineux du product manager versus le product owner. Bah là, il nous explique pas que, en fait, il faut des product managers qui sont aussi des product owners. Donc, il a des points de vue vraiment tranchés sur la question. Il fait ça sans concession. Donc, c'est vraiment ce côté original qui ressort, très percutant. Le dernier point, on parle de plaisir de lecture. Alors là, on était un petit peu plus réticents à mettre une super bonne note. On a mis une note de 3,17. Lire sur le product management, c'est hyper précis. Alors, c'est breveté et c'est très précis. Lire sur le product management, quand on est product manager, c'est pas toujours évident. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce livre n'est pas traduit. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé de traduction, donc il faut le lire en anglais. Il y a beaucoup de clichés qui sont très américains. Il y a vraiment la vision du winner, vraiment du workaholic qu'il a pu être, qu'il est encore certainement. Ça ne fera pas voyager plus loin que la Silicon Valley, mais en tout cas, il y a beaucoup de répétitions de concepts qui sont très forts, qui sont martelés. Donc on ressort de là en étant conscient de ce qu'il faut mettre en place. Et ce qui est aussi très agréable, par contre, vraiment sur l'écriture, c'est qu'il y a un enchaînement logique de plein de chapitres qui sont plutôt courts et concis. Et donc, ça nous permet vraiment bah, de voir un déroulé logique dans la vie d'un produit. Pour conclure, on a mis une moyenne de 4,02. C'est précis. C'est ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des notions qui sont à destination d'un public averti. Ça peut aussi être lu par des personnes qui ne veulent pas forcément devenir product manager ou avoir un rôle en tant que product people. Mais tout simplement apprendre, appréhender la culture produit dans son ensemble. Il y a quelque chose qui est un petit peu paradoxal, c'est que parfois ça peut paraître difficile à aborder, et en même temps ça paraît aussi être un essentiel pour aborder le métier. Donc vraiment le must-read du product management, quel que soit le niveau. Donc la conclusion, lisez-le. Je voudrais remercier tous les membres du club. Il y en a plein, Hamza, avec qui on a fondé le club. Il y a Rémi qui va nous faire des super cocktails la prochaine fois. On a Marie, Tiffen qui nous a fait des super retours sur un nouveau livre. Et le prochain livre, ce sera Hooked de Nireyal et qu'on viendra certainement vous présenter ici aussi. Ça me faisait exactement penser à ce livre-là. Ah, et ben voilà. Complètement en anglais, aucun schéma et pas du tout sur la méthode finalement, mais sur vraiment les mécaniques qui rendent addictifs les produits digitaux. Donc c'est assez intéressant parce que du coup on est tous tombés dans ce travers et essayer de comprendre comment finalement la Silicon Valley arrive à développer ce type de produit, c'est assez intéressant. Top. Et bah du coup, si tu veux toi aussi contribuer au club de lecture, venir dire Olivier. On est ouvert du coup à vos propositions de lecture et puis si vous voulez venir, vous joindre à nous une fois toutes les 6 semaines pour parler d'un livre, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'envoyer un mail et on organise tout ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci Marcel. Ouais, merci infiniment Edouard, et merci au club de lecture. Merci Edouard. Hop là. Mais transition, mais de génie. Place. Hop là. C'était bien. C'était cool. C'est bien. Mais vraiment, et c'est un super livre quand même pour voir un petit peu comment ils ont fait au niveau des États-Unis et de savoir est-ce qu'on peut s'en inspirer. Et on ne peut pas tout faire, et ça c'est sûr, avec les organisations qu'on a aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle en France, ce n'est pas possible de tout faire, et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais par contre, prendre, s'inspirer, c'est toujours bien. Ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai l'impression, alors je ne l'ai pas lu, mais le nombre de personnes que je connais qui travaillent dans un environnement complètement différent, qui l'ont lu et qui l'ont trouvé
qui ont su que ça allait les aider, que ça allait vraiment changer leur vision sur leur job. Je plus sois ce que dit Edouard, je pense que c'est très 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 sympa. Par contre, Alexandre, t'as du souci à te faire, je crois que Pierre-Olivier va venir chez WeWoo. Hein. Au club de lecture, il n'y a aucun problème. Je vais me poser un petit canapé si vous avez de quoi s'allonger. On parlait de newsletter tout à l'heure, et du coup, Martiagan, du coup, il y a une certaine newsletter auquel j'étais inscrit et je me suis désinscrit après. Ouais. D'ailleurs, il est passé à Paris il n'y a pas très longtemps, si je ne dis pas de bêtises, où il va être à Paris d'ici peu de temps. Bon, on va passer sur le sujet numéro 2, qui est justement comment gérer un écosystème multi-produits. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a une multitude de produits au sein de PrestaShop et même dans plusieurs entreprises. Et justement, moi j'avais déjà une question. À partir de quel moment on considère qu'on fait du multi-produit ? Déjà, est-ce que c'est à partir de 2 produits ? Est-ce qu'il faut plus de produits ? Comment est-ce qu'on passe cette étape de « Ok, on a peut-être 1 ou 2 produits » à « Ok, on a vraiment une multitude de produits » selon vous ? C'est quoi un produit ? Ça revient à cette question-là. On en parle tout le temps, ça. Mais finalement, un produit, c'est quelque chose que tu réalises. Et à chaque fois que tu crées de la valeur et que tu apportes de la valeur à ton utilisateur, et du coup, si tu vas travailler sur différents éléments, quels qu'ils soient, hein, que ce soit un enabler, un produit final, une brique, etc. Si elles sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles vont être réalisées indépendantes, à partir du moment où tu vas avancer sur une et tu vas la réaliser, tu vas apporter de la valeur. Donc, tu as un produit. Il y a probablement d'autres approches, mais voilà. Donc, dès que tu as plusieurs releases, enfin, tu peux réaliser différents objets. Ouais. Dans du multi-produit. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition, Alexandre ? Est-ce que tu avais une autre définition, justement, du multi-produit ? Je pense qu'on a notre propre définition aussi, notre propre univers. C'est multi, voire. Pluri, ouais. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir en fait faire en sorte que ces produits communiquent. Et donc au-delà de la logique de shipper ou des releases et des features considérées même comme des produits en eux-mêmes ou en elles-mêmes, toute la beauté du modèle, c'est qu'on construit en fait sa solution PrestaShop avec différents produits. Sur une base qui n'est pas un produit mais qui est un projet open source et à laquelle on va ajouter des extensions vers le paiement, PrestaShop Checkout par exemple, une solution d'analytics avec PrestaShop Metrics. On va s'intégrer évidemment avec des solutions logistiques, on va s'intégrer avec des marketplaces ou des réseaux sociaux qui désormais deviennent des marketplaces, hein. On vient de lancer le partenariat avec TikTok. On va travailler la performance du site en travaillant aussi l'hébergement avec PrestaShop Platform. Voilà, il y a beaucoup de PrestaShop dans ce que je viens de dire, mais ça fait autant de produits ou d'offres, et j'en ai cité qu'une partie, et en fait qu'une infime partie, parce qu'on est on a vocation à être une plateforme e-commerce, mais on est aussi une plateforme dans notre business model de mise en relation des entreprises qui utilisent PrestaShop avec des experts, avec des solutions techno, donc j'en ai cité certaines, mais là on parle de 7000 fonctionnalités additionnelles, connecteurs, thèmes. On parle évidemment aussi de plusieurs centaines ou milliers d'hébergeurs possibles. On parle de 300 000 marchands qui ont construit leur boutique et qui ont développé leur propre solution. Alors est-ce qu'on considère que leur site est un produit ? Je ne sais pas. Mais en revanche, on peut dire qu'il y a certains sites qui ont développé aussi, grâce à l'open source, des fonctionnalités qui sont très particulières et qui leur sont propres. Tel site sur, par exemple, je pense à un site qui s'appelle Bonjour Maurice, c'est une marchande belge qui permet de constituer une box de vêtements qui vont être... Pour enfants, donc vous avez 15 pièces dedans et ça va habiller votre enfant sur toute une année ou plusieurs années, avec la possibilité de retourner les vêtements, d'avoir un cycle de cette manière embarqué. Et donc pour personnaliser cette box, vous allez piocher différentes références, etc. C'est un produit
qui n'est pas forcément destinée à tout le monde, mais que cette entreprise a créé pour ses propres besoins. Et donc, il y a certainement, au-delà des 7000 dont je parlais, certainement beaucoup, beaucoup plus de produits créés autour de PrestaShop. Mais justement, quand tu as autant de produits, comment est-ce que vous faites pour garder cette vision que vous aviez au départ? Parce que forcément, plus on va avoir de produits, et là, pas que en termes de fonctionnalité, mais par exemple, quand on a un produit, imaginons chez Mythique, on a d'abord Mythique, puis après on a Division Demain qui est plus pour les seniors, on a Affini d'un autre côté, vous chez PrestaShop, vous en avez une multitude. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette vraie vision de l'entreprise et on se dit, ok, let's go, on va créer un nouveau produit. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que finalement on détourne un peu notre vision? Comment on fait pour adapter cette vision avec cette création de produit? Vaste question. Comment on fait pour adapter cette vision? Est-ce qu'on adapte la vision déjà quand on crée d'autres produits finalement? On ouvre des nouveaux pans potentiellement. Okay. C'est ce que tu décrivais là. Tu ouvres des nouveaux segments et donc tu vas chercher à mieux adresser finalement une cible à partir de d'une déclinaison de ton produit. Donc là que tu citais, ou carrément avec des produits. Donc nous par exemple, le parallèle avec nous, c'est qu'on va avoir différents métiers e-commerce sur lesquels on peut ou pas se positionner en tant qu'entreprise. Hein. Okay. Les 7000 produits dont parlait Alexandre, ce ne sont pas nous qui les éditons. On a un produit qui permet justement de les distribuer. Ouais. Donc c'est notre marketplace. En tant que commerçant, on a justement notre propre produit de distribution sur lequel il y a un grand nombre d'éditeurs. Non, la vraie question par rapport à notre vision, c'est sur quel add-ons finalement, et donc sur quel métier e-commerce ça a du sens pour PrestaShop de se positionner. Et donc là, ça recoupe avec la vision qu'on souhaite adresser. Et pour préciser ça vis-à-vis de PrestaShop, pour répondre à déjà un segment, donc commençons par ceux qui débutent leur activité e-commerce avec PrestaShop, tout part bien sûr de notre projet open source, qui est la plateforme de départ. Cette plateforme ne couvre pas tous les besoins, ne couvre pas tous les besoins primaires. Donc déjà, on va essayer de répondre aux besoins primaires pour apporter en complément de la plateforme open source, les besoins primaires et universels, c'est-à-dire qui touchent vraiment l'ensemble des marchands. Et chacun après, comme le décrit très bien Alexandre, vont avoir des spécificités qui sont liées à leur propre business. Et c'est ça qu'offre la chaise de PrestaShop. Par contre, il y a des besoins qui sont primaires, c'est-à-dire tout le monde a besoin de ce paiement. Et effectivement, le projet open source n'a pas vocation à couvrir ce besoin-là. Donc, est-ce que ça a du sens pour nous de se positionner dessus? Oui. Si ça permet de couvrir finalement avec un écosystème, avec notre propre écosystème en tant qu'éditeur, des besoins primaires. Après, aller sur des besoins spécifiques, c'est là où on commence à sortir peut-être de notre rôle et de notre vision principale. Et justement, quand tu parles de produits spécifiques, est-ce que ça vient de la partie produit? Est-ce que ça vient de la partie potentiellement direction, CEO? Qui décide à un moment donné, let's go, il faut qu'on sorte un nouveau produit? Est-ce que c'est en bonne entente? Est-ce que c'est justement ça vient plutôt d'encore plus haut? Est-ce que comment ça se passe? Vraiment? Mais posons, on est aussi justement là pour discuter. Mais est-ce que ça peut venir finalement des besoins utilisateurs? Qu'est-ce qui fait d'un coup on se dit ok, on va ouvrir une nouvelle verticale potentiellement sur notre produit? Ouais, on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça et ça coulait assez de source. Ça correspondait à la vision qu'on avait. Défini quoi, même sur l'entreprise, hein, je pense à finalement on l'ouvre par avoir un produit, une équipe qui a peut-être pas travaillé sur un produit mais sur un besoin, qui va se traduire mécaniquement par un produit, et finalement c'est un besoin sur lequel on n'est pas positionné et qui, si on revient sur ses besoins primaires, il y a des besoins primaires qu'on couvre pas, et effectivement on a maintenant la capacité de pouvoir les couvrir, et donc on n'a pas commencé par dire on va faire un produit, on a commencé par dire on va construire une équipe qui va du coup travailler sur cette problématique et qui mécaniquement générera un ou des produits autour de ça. Mais qui reste toujours dans les missions primaires de PrestaShop qui... Exactement. Forcément. Exactement. Okay. Et justement, notre force, c'est d'avoir un écosystème qui va répondre à tous les répondre besoins. À d'autres besoins. Okay. Voilà. Après, non, ça ne tombe pas du ciel. C'est ensuite, sûr. Il est clair qu'il y a aussi des considérations pour être très pragmatique et terre à terre. Et les équipes le savent bien, il y a aussi des opportunités qui s'offrent à nous qui font qu'on a priorisé tel sujet plutôt que tel autre. Voilà, la réalité d'une entreprise, c'est évidemment d'écouter ses utilisateurs, ses clients sur leurs besoins primaires. Et puis il y a des convictions qu'on va avoir aussi, ou peut-être qu'on va avoir envie de devancer un peu ou de faire un pas de côté sur des choses qui sont peut-être moins évidentes aujourd'hui.
Je parlais de l'impact il y a quelques minutes. Je parlais de l'accessibilité aussi. C'est un sujet. Et aujourd'hui, on n'est pas ou peu présent dessus. Okay. Est-ce que c'est notre rôle d'y être? Est-ce que c'est notre rôle d'y être maintenant? Comment on va le prioriser? Et donc, il y a discussion qui va naître sur certains sujets qui peuvent être aujourd'hui potentiellement hors scope par rapport aux besoins primaires, aux priorités que l'on s'est donné, mais sur lesquels il va falloir aussi qu'on puisse s'engager. En tout cas, ça sera un sujet pour l'année prochaine. Donc en avançant, finalement, on précise aussi certains éléments. Et donc le sujet dont tu parles, c'est quelles sont les valeurs de PrestaShop ou en tout cas lesquelles sur lesquelles on veut encore plus s'appuyer et qui peuvent passer par la création de produits pour répondre finalement à... Mais on revient sur le haut de la pyramide, c'est quelle est la mission, quelles sont les valeurs de l'entreprise, et donc comment on peut de mieux en mieux y répondre. Et il y a des choses qui sont, je dirais, peu explorées et qui peuvent demain être plus explorées. Et alors, on parlait tout à l'heure de l'organisation finalement que tu as mis en place, qui visiblement convient, en tout cas actuellement, à l'écosystème PrestaShop. Est-ce que, la société est en train de grandir, vous construisez de plus en plus de produits, est-ce que l'organisation est scalable par rapport à cette création de produits? C'est le point de départ. C'est le point de départ. D'avoir une organisation qui soit scalable pour répondre à la croissance de l'entreprise. Donc c'est vraiment construire des choses de scalables. Et pour le coup, ça le démontre actuellement. C'est-à-dire qu'on a une forte capacité à faire grandir les équipes. Pas la même équipe qui grandit, ça va être donc des tribus qui répondent à un des objectifs majeurs. On a plusieurs métiers chez PrestaShop, chaque tribu finalement répond à un de ses métiers. Et à l'intérieur de cette tribu, on va avoir différentes squads qui vont répondre à un objectif précis finalement de ce métier. Et on peut ajouter finalement un certain nombre de squads. Donc on ne va pas faire grandir les équipes, c'est toujours la fameuse pizza team, on se limite à un nombre d'individus qui est limité et qui permet vraiment d'avoir une équipe qui est soudée, qui se comprend et qui est capable de travailler vraiment tous les gens ensemble. Donc ça ne va pas faire grossir une équipe en tant que telle, c'est plutôt additionner un certain nombre d'équipes. D'ailleurs, juste dans le chat, on a Flochou qui nous dit, pour répondre à cette question, le multiproduit, c'est intéressant de se remémorer les trois types de PM que Jonathan Golden a décrit dans le premier PM R de Airbnb. Il y a le PM pionnier, du coup, qui explore, fait du discovery massif, des risques. Le PM settler, qui industrialise et push le growth. Et la troisième partie, c'est le PM town planner, qui vise au réemploi de ressources existantes pour opérer divers produits, justement. Les trois PM ont des profils différents. Et tout cela évolue justement sur les diverses trajectoires pour chaque société. Tout ce qu'on dit des entrepreneurs. Hein. Complètement. Ce que tu viens de décrire, effectivement, c'est les différents profils d'entrepreneurs. Hein. Ceux qui partent d'une feuille blanche et finalement, dès qu'ils ont exploré, après, ils se lassent, ils ont moins de motivation. Et au contraire, tu en as d'autres qui vont structurer et ceux qui vont gérer. C'est les trois que tu viens de décrire. Okay. Hein. Et c'est trois moments. Et la complexité qu'on a, c'est aussi les temps de l'entreprise. Mais on va avoir des temps différents en fonction des produits. Et donc, en fonction des squads, on va avoir besoin de tel profil, plutôt pioneer, l'autre plutôt settler. Mm-hmm. Et le dernier town hall, là, c'est quelque chose qu'on vit et donc ça pose cette complexité. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de rester au contact. Et le scale, où finalement, c'est effectivement comment on va reproduire ce modèle de squad. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant là, dans ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on a mis ça en place avec un modèle précis qu'on a décrit tout à l'heure, mais et qu'on sait désormais dédupliquer en termes de modèle. Hein, après, on recrute des profils uniques qui vont correspondre à tel ou tel squad. Ce qui est important, c'est désormais, c'est de se dire que il va y avoir d'une certaine manière au sein d'une tribu entre les squads des besoins communs. Ouais. Donc va naître aussi la nécessité de mettre en place une sorte de colonne vertébrale qui va adresser ses besoins communs. Et donc au départ, ça faisait pas forcément de sens parce que une squad, deux squads, mais quand là on commence à avoir ces sujets, notamment au sein d'une tribu où on a trois squads qui ont des besoins communs, même d'ailleurs avec d'autres tribus. Et donc l'enjeu, ça va être de voir si on met en place une squad transverse, voire une tribu transverse, qui permet d'adresser ces sujets. Et ça aussi, on l'apprend sur le chemin, avec un peu de recul, c'est assez logique, hein, c'est le sens de l'histoire, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Ouais, et donc, même sur le modèle de départ, il y a aussi des évolutions qui apparaissent parce que notre organisation a besoin de s'étoffer, et quelque chose qui était core au sein d'une squad peut devenir aussi commun et développer de nouveaux besoins en termes d'organisation.
Et là, on parle de multiproduits quand l'entreprise elle-même crée de nouveaux produits. Mais des fois, il y a des rachats. Et donc là, on devient de facto multiproduit. Pour vous, est-ce que vous avez justement des conseils peut-être pour comment s'imprégner de la culture de l'entreprise? Parce que ça va être deux entreprises avec deux cultures très différentes potentiellement. Est-ce que vous avez déjà vécu ce système potentiellement de rachat ou pas, d'être soit racheté, soit racheteur? Comment est-ce qu'on s'organise dans ces cas-là pour garder une cohérence globale, avoir toujours aussi son identité potentiellement ou pas? Est-ce qu'il faut avoir gardé son identité? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là finalement du rachat? Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà vécu ça ou pas. Non, il y a deux modèles qui voient, deux grands modèles. On voit le modèle de rachat-fusion. Nous, on y croit moins, mais avec... qui peut se faire directement ou progressivement. Moi, avant, j'étais chez Google. YouTube, c'est un rachat. Waze, c'est un rachat. J'ai vu des startups dans le grand groupe qui sont devenus finalement des produits au sein d'une suite vendus par ce grand groupe. Nous, on a envie de... Enfin, on est dans cette logique, en fait, partenariale. Donc on a l'habitude finalement d'intégrer au sein de notre plateforme les solutions tierces avec des vraies marques. On est partenaire avec Mailchimp et SendinBlue. On est partenaire avec PayPal et Stripe. Et le sujet, c'est pas d'aller gommer ces superbes acteurs, c'est plutôt de voir comment en se mariant, en alliant la puissance de PrestaShop et la puissance de telle solution de paiement, de telle solution marketing, etc., on va pouvoir apporter de la valeur. Et y a pas, on a vraiment une logique ouverte. On n'est pas dans un sujet de gommer et de dérouler en mode rouleau compresseur avec un seul logo et parfois un drapeau avec des étoiles. Une ou plusieurs. Moi, j'ai pas vécu de rachat spécifiquement pour répondre à ta question, mais du coup, t'as, malgré tout, un produit qui se construit par la culture qu'il a développée, par l'attachement qu'il a créé avec ses utilisateurs. Donc là, on parle de marque très bien, mais derrière la marque, il y a l'expérience qui va avec. Et c'est l'ADN, en fait, même du produit. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment ni remplaçable ni fusionnable, ou alors ça disparaît complètement. Donc après, tu peux imaginer transférer. Enfin, c'est des sujets communs ou assez proches, mais dans les cas que tu as cités, c'est des problématiques et des propositions de valeur qui sont différentes, qui peuvent être complémentaires. Donc finalement, toute la valeur qui a été créée, elle est vachement basée sur l'expérience qui existe. Donc c'est... Je vois pas vraiment de schéma où tu vas complètement l'intégrer. Sauf si c'est quelque chose de très très proche, auquel cas tu transfères finalement l'usage que tu as sur un produit vers un autre pour fusionner les deux. C'est du rachat de base d'utilisateur ou client. Ou sinon, c'est des entreprises qui sont plutôt des point solution, des quelques features qui vont s'intégrer à une entreprise qui a un scope beaucoup plus large. Enfin, et donc à un produit aussi qui a un périmètre, une proposition de valeur plus large. Et justement, justement, est-ce que il y a des apprentissages à faire quand, par exemple, avec rachat ou pas, quand on fait des nouveaux produits, inter-équipe, de pouvoir réutiliser par exemple des méthodos, parce qu'on sait qu'elles fonctionnent très bien sur cette squad là et sur cette feature team là, donc finalement on va dupliquer pour essayer de le faire sur cette nouvelle feature. Est-ce qu'on repart de zéro? Est-ce que vous avez des frameworks peut-être que vous avez déjà presque de marque blanche? On sait qu'on va lancer un nouveau produit, hop, t'as plus qu'à dérouler finalement un petit peu la présentation, même s'il n'y a pas de choses miracles, mais grosse maille, on va faire du Scrum par exemple, ces phases de discovery, finalement il faut le faire toujours de cette manière-là, vous allez pouvoir faire les interviews de cette manière-là, ou pas justement. Moi je crois beaucoup à ça, c'est qu'il y a un framework à proposer, finalement t'as une culture commune, une approche commune, un framework qui est encore une fois itératif et évolutif par les apports à l'extérieur ou interne au fur et à mesure de notre apprentissage, qui n'est pas trop enfermant, toujours le gros risque, et donc pas limitant. Donc c'est plutôt une boîte à outils à utiliser et on voit que les personnes se l'approprient plus ou moins en fonction de leurs affinités avec ce qui a été proposé. Donc ça pour la méthode, et après pour le produit,
On revient aussi sur cette logique de requirements. Pour construire un nouveau produit, il y a un certain nombre d'éléments d'expérience finalement qui sont importants d'avoir en cohérence, parce qu'à la fin, notre utilisateur, oui, ça va être un écosystème de produits, mais pour lui, à la fin, c'est une expérience. Et il va basculer un moment dans un produit, un moment dans un autre. Et ça, c'est finalement comment c'est construit. Mais pour lui, c'est la même, finalement, la même finalité. Donc, il y a des enjeux majeurs pour avoir, ça va se traduire par un design system, par exemple, des structures communes. Et ce qu'on commence à délivrer de plus en plus avec nos partenaires pour que, sans gommer leur proposition de valeur, loin de là, en appliquant finalement une expérience ou un bout d'expérience commun qui garantit finalement à l'utilisateur d'être dans l'univers connu et une appropriation au mieux. Et pour finir, est-ce que vous auriez un tips pour les personnes qui passent d'un single product management à un portfolio product management? Quel serait le tips finalement ou la chose à ne pas faire peut-être lorsqu'on passe de justement un produit à plusieurs produits en gestion? L'ultime conseil. Ouais. L'ultime conseil. Limiter les dépendances. Oui. Mauvaise expérience. Non, c'est la réalité. Hein. Une des complexités majeures du produit. Ok. Quand ils sont rentrés. Allez. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a cette colonne vertébrale. Ouais. Travailler en pluridisciplinaire pour intégrer les priorités des différentes équipes ou des différents domaines. Tech, produits, revenus, c'est comme ça que ça s'appelle chez nous, mais c'est aussi clé pour ensuite derrière prioriser les ressources que l'on va positionner sur tel ou tel sujet. Quand on passe dans du multi, et d'ailleurs on l'a fait, hein, on a là récemment par exemple décidé de renforcer une squad pour pouvoir accélérer le delivery sur un sujet précis, et on l'a fait en allouant finalement le sprint d'une certaine manière d'une autre squad à la squad en question. Et c'est important aussi de pouvoir savoir quelles sont les priorités et faire ses choix, parce qu'on n'est pas dans un champ de ressources limitées non plus. Ce que je veux rajouter, hein, c'est la communication. Communication et l'esprit d'équipe. Hein. Au global, c'est finalement à la fin prendre ce recul pour pouvoir, comme ça a été fait là, un gros coup de pouce qui a permis à une équipe de sortir la tête de l'eau et à l'autre d'apporter sa valeur. Parce que finalement, elle l'a aidé sur ce qu'elle savait. Okay. Sur l'expertise qu'elle avait de plus forte, c'est ça qui est vachement pertinent. Donc, je pense que, enfin, j'ai l'impression que ça a été bien du coup compris par les équipes, parce que ça peut être un risque de faire ce genre de move. Il y a une super adhésion au sujet. Je pense que ça s'est fait presque naturellement. Il n'y a pas eu de, il y a pas eu de drive de je sais pas où en haut. Ça, okay. Non, mais favoriser la communication, qui est toujours assez complexe, hein, comme sujet, hein, pour que tout le monde comprenne finalement les enjeux des autres. Okay. Et que ce soit pas les uns et les autres, c'est finalement, mais que ce soit une seule et même équipe, même si chacun a travaillé dans sur son propre périmètre. Okay. Voilà, exactement. Ouais, donc c'est limiter les dépendances et renforcer la collaboration. Et c'est pas que des mots, c'est savoir comment on arrive à faire que cette recette fonctionne. Ouais, vous avez peut-être un mini comité entre PO, j'imagine, mensuel ou c'est non, en fait, c'est la démo. Okay. Encore une fois, comment tu limites aussi le temps passé sur des échanges, etc. Et la démo, qui est un moment très très fort, on le fait au niveau des tribus. Okay. Tous les, on a ici 2-3 semaines, donc tous les 3 semaines, tu as la démo de chacune des tribus. Okay. Okay. Je prends cet exemple-là parce que c'est intéressant. L'IT interne, qui est une tribu à part entière et qu'on a structuré, je dirais, qu'on est en train de structurer, qui inclut la data, qui est finalement une des nouvelles tribus, fait sa propre démo aussi et ça montre. Et finalement, et ça permet au reste de l'entreprise, parce que c'est bien sûr ouvert à tous, de mieux comprendre finalement qu'est-ce qui est fait, et de poser des questions, etc. Donc, ceci, c'est l'élément central, quoi. Donc, c'est comment finalement, sans rajouter de temps fort, enfin, ou de communication, profiter des rituels principaux pour le faire. D'accord. Se rajouter les rituels, plutôt maximiser ceux existants. Ouais. Ça roule. Bien noté. On va finir par jouer. Est-ce que vous aimez jouer? Parce que non. C'est vrai. Non, je suis un grand joueur. Bière pong du coup Non. On gâche pas déjà. Et
plutôt de jeux de société. Vous allez tous aussi, normalement, et oui. Bah, votre ardoise. Et donc, en fait, on a un jeu donc, à chaque fin d'émission donc, c'est ça, qui s'appelle l'Happy Hour. Donc, le jeu, aujourd'hui, ça va être un Fast and Curious. Ah. Donc, pour les règles du jeu, c'est un jeu de rapidité. Un point par bonne réponse. Le gagnant qui accumule le plus de points, finalement, a gagné, tout simplement. C'est clair pour tout le monde ? Donc, je vais vous énoncer quelque chose, et vous allez devoir donner la réponse en l'écrivant. Et celui qui est le plus rapide, lève la main, comme ça, on est... Le chat joue aussi. Le chat doit jouer. Forcément. Question numéro 1. Je suis la marque à trois bandes. Qui écrit le plus vite ? Ah ! Entre Louis, Louis est-ce et Alexandre. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il explique ? Alors, qu'est-ce que... Je pense qu'on arrive tout seul. Ah. Ok. Bon, du coup, tout le monde a répondu Adidas. Bon. Bon, c'est... Dénerve-toi avec ça. Point à Louis-Alexandre. Pierre-Olivier, malheureusement, tu es arrivé un petit peu en retard. En fait, j'ai pas tourné le... T'as pas tourné le... Oui, je n'ai pas tourné la réponse d'après. Bernard, malheureusement. Question numéro 2. Je suis l'entreprise incontournable pour prendre rendez-vous pour sa dose de vaccin. Okay. Alexandre. Okay. Je pense que. En l'occurrence, je sais pas si c'est pas ça. Je crois que Alexandre, il a la réponse. Ils font du direct consumer maintenant sur PrestaShop. On est rendez-vous. Doctolib. Effectivement. Bah, sympa, du coup, un point pour Alexandre. Donc, deux points pour Alexandre, un point pour Pierre-Olivier et un point pour Louis. Bien. Pourquoi un pingouin comme logo pour PrestaShop ? Ah. Alors, Pierre-Olivier. Ce n'est pas un pingouin, c'est un macareux. C'est parce que c'est un animal communautaire. Oh, tu viens de... Alors, moi, la réponse était « En vrai, on ne sait pas ». Donc maintenant, on a la vraie bonne réponse. Non, donc, Pierre-Olivier, on peut se donner même deux points. Si, on sait. Et PO a raison. Après, le pourquoi, et il est communautaire. Pourquoi ? Okay. Il vit sur tous les continents. Et il vole, il marche et il nage. Parler de multi-produits. Ah, c'est très pensé. Donc, c'est très donc, fort. Alors, je vais diviser tes deux points en un point et un point pour le complément de réponse. Okay. Louis, ça a jamais changé de logo ou avant c'était autre chose ? Avant, c'était un petit sac. Ouais. Ok. De course. Pourquoi le petit sac, du coup ? Shopping. Non, mais au cas où. Parce qu'il y en a dans tous les continents. Ils volent. J'espère qu'il y en aura de moins en moins. Quel milliardaire est devenu astronaute en juillet 2021 ? Ah, tu l'écris Thomas Pesquet. Alors non, mais... ce n'est pas Thomas Pesquet, donc oui, éliminé. Bezos, non ? Non, ce n'est pas Bezos. Ah non, non, c'est Virgin. Exactement. Est-ce que tu as le nom de la personne ? Non, mais c'est fini, Louis. Ok, mais j'ai pas compris ta question. Non, mais... si, mais comment ça s'appelle ? Richard Branson. Exactement. Bon. Pierre-Olivier, un demi-point, un point, on me dit dans l'oreillette, que je n'ai pas du tout. Combien vaut un bitcoin ? Et là, je vais regarder à l'instant T. Ah, c'est un bitcoin. Alors, en dollars. Oh, non, mais ça, c'était le cours au max il y a plusieurs mois. Donc, alors, combien ? 50K. Mais... 50K ? Ouais, c'est qui dit mieux ou plus, souvent ? 48-300. 48-300 ? Qui, Pierre-Olivier ? Je me suis pas prononcé. Tu ne te prononces pas. 1,05€. Et bien, actuellement, il est à 54 939 $. Merci. Okay. Il a pris 8% 54 ces dernières 24 heures. C'est très régulé, c'est ça. C'est vraiment sympa comme marché. Et dernière question. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend ? Je suis désolé, je n'écris pas. Jonathan, Pierre-Olivier. Marcel, ah d'accord. Ah, donc. Voilà. Il attend la réponse. Voilà. Pierre-Olivier, malheureusement, non. Non plus. Donc, finalement, Alexandre a 5 points. Ah, bravo. Et il gagne le premier. Le premier de... Tu gagnes rien, mais un happy à une happy hour, ça vaut beaucoup. Un happy hour. Félicitations, Alexandre. Merci. Merci, je reviendrai. I'll be back. Ok.
Bon, la défaite est dure, mais on va se consoler avec des bières. Sans Alexandre. Ça marche. Pour pas avoir la bière de plus. Ouais. Et ben, merci beaucoup. C'était grand. Messieurs, est-ce que vous avez apprécié l'exercice, ce live, ce premier live entre vous, ce premier plateau. Ouais, c'était cool, chouette, ouais. On était ravis de vous avoir. Vraiment, merci, très intéressant. Super animation. Hâte de voir tout ce qui a pu être dit sur les réseaux. Un gros clin d'œil à toutes les équipes. PrestaShop et d'ailleurs. Il y aura des vannes qui vont sortir dans les bureaux, peut-être. Des petits gifs, des petits mèmes, peut-être. Ouais, ça tourne sur Slack. Et oui, on n'a pas encore les nôtres. Mais ça commence à arriver. Ouais. On les a déjà. Donc, bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était merci top. À vous. Vous êtes super. Vous étiez les premiers invités de cette saison 2. Et, grand plaisir. Après, on attend. Du coup, on donne rendez-vous à tout le monde le 3 octobre. C'est ça ? Le 3 novembre. 3 novembre. On est déjà en octobre. C'est malheureusement, c'est pas octobre. Octobre me manque, c'est 2021. C'est le terrible. 3 novembre à 19h pour parler un petit peu de Product Ops. D'ailleurs, ouais. On aura une personne qui est chez Ubisoft qui s'appelle Yolène. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, qui sera là, je suis présent sur le plateau. Ça va être sympa, ça. Ouais, on va parler un petit peu de nouveaux métiers. Ça va être très très cool. On vous donne donc rendez-vous le 3 novembre. Passez une excellente soirée. Encore merci, monsieur. Merci. Merci au chat, merci à la régie, merci Gentlemania pour tout ça. Merci aux spectateurs, merci à Edouard, merci aussi à la régie, merci un petit peu à tout le monde et passez une excellente soirée. Et on se retrouve le 3 novembre à 19h sur Twitch. À bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.